La vidéo numéro 5, cours de biologie moléculaire, partie 2. Et donc, je parlerai durant cette séance des enzymes modifiant l'ADN. Nous avons vu en première partie un des enzymes modifiant l'ADN, ce sont les enzymes de restriction, n'est-ce pas? Ils coupent l'ADN et donc ils modifient l'ADN par coupure. Je commencerai donc par l'ADNase 1. L'ADNase 1, c'est une désoxyribonucléase 1. C'est l'enzyme de la digestion des ADN chez les animaux. Donc, il existe chez les animaux. C'est une nucléase qui hydrolyse l'ADN double brin ou simple brin jusqu'à un mélange de nucléotides et oligonucléotides. Nucléotides, donc, vous connaissez, c'est composé de base, sucre, phosphate. Et oligonucléotides, c'est un ensemble de nucléotides. C'est une enzyme qui agit comme endonucléase, donc ça veut dire qu'il va couper au milieu de l'ADN. Préférentiellement, il coupe au niveau des liaisons adjacentes aux nucléosides pyrimidiques. Hein? Les nucléosides pyrimidiques sont le C au T, cytosine thymine. Et il y a les nucléosides puriques, c'est les A et les G, d'accord? Donc, l'ADNase va couper préférentiellement les liaisons adjacentes aux nucléotides pyrimidiques, après C et après T. Alors, on va voir, c'est selon les conditions, le comportement de cette endonucléase vis-à-vis l'ADN. Premièrement, si on a un tampon avec un tampon qui contient le magnésium, eh bien, l'ADNase 1 hydrolyse les liaisons par hasard, indépendamment de la séquence. L'ADN va couper de façon hasardeuse. Par contre, lorsqu'on utilise un tampon qui contient cette fois-ci le manganèse, pardon, c'est le manganèse, il devient plus dépendant de la séquence. C'est ce que nous avons vu là. Ça veut dire qu'il va couper préférentiellement après C et après T. Là, je donne l'exemple. Vous avez ici un fragment d'ADN. Bon. Et ici, donc, on a une protéine qui fixe l'ADN. Si je vous demande maintenant de me donner exemple de protéine qui fixe l'ADN, qui se fixe au niveau de l'ADN, donnez-moi des exemples. Exemple, eh bien, on a par exemple l'ARN polymérase. Rien que les enzymes que nous avons vus hein, durant le cours. On a l'ARN polymérase qui fixe l'ADN. Quoi encore? Au niveau de l'opéron lactose, qu'est-ce qu'on a comme protéine qui se fixe au niveau de l'ADN? On a la protéine LacI, le répresseur. Il se fixe au niveau de l'opérateur, au niveau de l'ADN. Aussi, on a le complexe AMP-cyclic-CAP qui se fixe au niveau de l'ADN, au niveau de son site AMP-cyclic-CAP. Bien. Donc là, nous avons un exemple. Là, on va faire agir ce fragment d'ADN à l'ADNase. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'ADNase va couper, comme ça, au niveau de l'ADN. Et on va avoir après, donc qu'est-ce qu'on obtient? On aura des fragments. Voilà, l'ADN a été hydrolysé. Alors, l'ADNase pancréatique, on va l'utiliser au laboratoire. Pour, premièrement, introduire des brèches au hasard dans l'ADN double brin en vue d'un marquage par l'ADN à polymérase. Donc là, je vous explique. Donc, supposons que vous avez ici un fragment d'ADN. On va faire agir donc l'ADNase 1. Qu'est-ce qu'il va faire? L'ADNase, il va couper, donc ça on le sait, il va couper au niveau de l'ADN. Il coupe à ce niveau-là. Et finalement, lorsqu'il coupe cette liaison-là, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On obtient ce qu'on appelle une brèche à ce niveau-là. Et donc une brèche, le brin, le premier brin est coupé, par contre celui-là n'est pas coupé. C'est ce qu'on appelle une brèche. Alors, ce
Cette brèche-là, ça va servir pour réaliser un marquage. Alors, on va ajouter l'ADN polymérase plus un nucléotide qui est radioactif, marqué. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'ADN polymérase va éliminer tout ça, puis après, il va incorporer les nucléotides, et notamment le nucléotide radioactif, et on va avoir donc un ADN qui est radioactif. Qu'est-ce qu'on fait aussi de l'ADNase au laboratoire? On peut utiliser l'ADNase pancréatique pour analyser les sites de fixation des protéines. Et c'est ce qu'on appelle la technique de footprinting. C'est l'empreinte de pied. La technique de footprinting. Voilà. Supposons que vous avez de la terre mouillée, d'accord, intacte. Vous déposez votre pied. Après, vous enlevez le pied. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une empreinte de votre pied. Eh bien, c'est la technique qui est utilisée pour déterminer le site de fixation des protéines. Alors, par exemple, l'ARN polymérase. Alors, on a ici un schéma. Je vous donne ici l'exemple. On a donc l'ADN qu'on voit ici. Voilà un ADN. Et on va. Voilà le schéma qui montre ici. On a un ADN avec l'ARN polymérase qui est fixé à ce niveau-là. Alors moi, je veux déterminer comment je veux déterminer ce site de fixation. C'est en utilisant donc la technique de footprinting. Qui consiste en quoi? Alors, premièrement, on va marquer l'ADN à une seule extrémité. Vous voyez, c'est le DNA qui est marqué à une extrémité d'un brin. Donc, on va marquer, par exemple, ce brin à ce niveau-là. Par exemple, à l'extrémité 3'. On va la marquer. Pourquoi faire? C'est pour, après, détecter que ces fragments-là qui sont qui sont marqués. D'accord? Alors, ici, on a la protéine fixé à l'ADN. Et donc, on va digérer l'ensemble par l'ADNase 1. Et en fait, je vais réaliser deux expériences. Une expérience où on a l'ADN seul avec l'ADNase. Une expérience là où on a l'ADNase, l'ARN polymérase et la protéine. Alors, donc, je reviens ici, je vais vous expliquer. Donc, la technique footprinting. Alors, j'ai ici un ADN. Je vous demande tout simplement de me localiser le site de fixation de l'ARN polymérase. On a ici le promoteur. Où se trouve l'ARN polymérase? Où se trouve le promoteur? C'est peut-être ici, là, là. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la technique de footprinting. Dans un premier temps, donc on va avoir l'ADN seul plus DNase. On va utiliser toujours de l'ADNase qui est marqué à une extrémité à ce niveau-là. Bien. Qu'est-ce qui va se passer? Supposons que c'est un fragment qui est comme ça, un fragment d'ADN. On a plusieurs fragments d'ADN marqués. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va faire agir l'ADNase. On va faire une digestion ménagée, ça veut dire un temps court. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'ADNase, il va couper à ce niveau-là. Donc, par exemple, c'est le nucléotide numéro 1. Ici, il va couper à ce niveau-là, au niveau du nucléotide 2. Et ainsi de suite. Là, il va couper au niveau de 3. Et ainsi de suite. Donc, par exemple, ici, au niveau de 4, et au niveau de 5, 6, 7. Et finalement, d'accord? Et finalement, une fois la digestion est finie, je vais réaliser une électrophorèse. Quand je réalise l'électrophorèse, je vais détecter les brins qui sont radioactifs, d'accord, qui sont marqués ici par le marquage, que ce soit radioactif ou même ça peut être aussi une fluorescence. Donc là, quelle est la taille de ce fragment-là? Ça va être un nucléotide. Là, on va avoir deux nucléotides.
Là, on va 3, 4, 5. Et finalement, quand je fais l'électrophorèse, je vais avoir une échelle de fragments, voilà, dont la taille diffère d'un fragment à l'autre par un nucléotide. Donc ici, on va avoir par exemple un nucléotide. Là, c'est un fragment de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bien. Ça, c'est la première. Deuxième expérience, c'est que je vais réaliser la même chose. L'ADN marqué plus DNase plus l'ARN polymérase. Et donc l'ARN polymérase, qu'est-ce qu'il fait? Il se fixe au niveau de l'ADN. Supposons qu'il se fixe là, voilà. Elle est là, l'ARN polymérase. Maintenant, on réalise la digestion par la DNase noire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, premièrement, il va couper ici. Donc, on va avoir, voilà, l'ADN marqué, et ici l'ARN polymérase. Donc, un fragment d'ADN, l'ADNase va le couper au niveau du nucléotide 1. Donc, on va avoir ici un fragment marqué, voilà, 1. Deuxième fragment, il va être coupé à ce niveau-là, au niveau 2. Donc, on va avoir un fragment qu'on va visualiser après l'électrophorèse, c'est le numéro 2. Ici, par exemple, c'est la digestion numéro 3. C'est l'action numéro 3. Donc, on va avoir un fragment de 3. Alors, à votre avis, supposons ici, on a le nucléotide 4, 5, 6. Donc, on n'aura pas une coupure à ce niveau-là parce qu'il est protégé par l'ARN polymérase. Donc, on ne va pas avoir un fragment de 4 nucléotides. On ne va pas avoir un fragment de 5 nucléotides. On ne va pas avoir un fragment de 6 nucléotides. Par contre, on va avoir une coupure à ce niveau-là. D'accord? C'est le fragment 7. Eh bien, on va avoir ici le fragment 7. Vous voyez, 3. Et après, on va passer au fragment 7. On n'aura ni le 4, ni le 5, ni le 6. Parce que cette partie-là est protégée par l'ARN polymérase. Et ainsi de suite. Lorsqu'on fait l'électrophorèse, de cette expérience-là, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir le 1, le 2, donc les fragments de 1, 2, 3. D'accord? Et puis, on n'aura pas le fragment de 4, le 4, 5, 6. Puis après, on va trouver le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12. Et vous voyez donc, vous voyez ici, on a ici l'empreinte de fixation de l'ARN polymérase. Cette technique footprinting nous permet de dire que finalement, l'ARN polymérase, il se fixe au niveau des nucléotides 4, 5, 6. Donc, ça, c'est un exemple. Hein, vous voyez, donc c'est un exemple pour faciliter l'explication. Donc, il faut noter que en fait, l'ARN polymérase, il va se fixer sur à peu près 40 nucléotides. C'est la technique de photoprinting. Donc, vous voyez, donc, je réexplique la même chose. Hein. Donc, on fait les deux expériences. Là, c'est l'ADN nu. On va avoir tous les fragments qui sont coupés. Par contre, ici, avec l'ARN polymérase, on a cette zone qui est protégée. Et c'est le site de fixation de l'ARN polymérase. C'est comme ça qu'on a déterminé ces sites de fixation, que ce soit de l'ARN polymérase, de l'ACI, etc., etc. Ça, c'est le même schéma, hein, footprinting, mais présenté d'une autre façon. Bien. Maintenant, on va commencer, on va entamer la nucléase S1. Alors, S1, c'est une nucléase spécifique des ADN, simple brin. C'est une nucléase que coupe l'ADN 5 brins. Elle hydrolyse l'ADN simple brin. Bien qu'à des concentrations élevées, il peut agir sur les hybrides. Les hybrides, c'est hybrides ADN-ARN. Il agit en milieu acide, en présence d'ions zinc. Et la nucléase S1 est utilisée au laboratoire, premièrement pour faire des bouts francs aux extrémités des fragments d'ADN double brin. Ça veut dire qu'on va obtenir des extrémités franches à partir des extrémités double brin et ce qu'on a, surtout les deux, donc les extrémités double brin cohésives qui ont des brins sortants. Aussi, on va hydrolyser, on peut utiliser la nucléase S1 pour hydrolyser les fragments d'ADN simple brin au niveau des brèches. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une brèche.
Donc, je peux faire agir la S1 et donc on va hydrolyser donc le brin le brin simple brin. Aussi, on va utiliser la S1 pour isoler les hybrides ADN-ARN lors de l'hybridation entre un gène et le cDNA correspondant. Et donc là, on va parler de l'ADN complémentaire. L'ADN complémentaire. En fait, puisque je vais parler de l'ADN complémentaire, je vais vous poser une question. Quelle est la différence au niveau de l'ADN entre un gène eucaryote et un gène procaryote? Un gène bactérien, exemple, un gène donné, voilà. Chez la bactérie, vous avez le gène, avec bien sûr ici ATG. Ah, c'est un exemple, c'est l'unité de transcription. Qu'est-ce qui se passe? On aura l'ARN messager qui a la même taille que l'ADN, et puis après on va avoir la protéine, hein, de même taille. Vous voyez, donc la taille au niveau de l'ADN, c'est la même que l'ARN messager. Par contre, chez les eucaryotes, un gène est composé de deux séquences qu'on appelle exon et intron. Donc ça, c'est au niveau de l'ADN. Supposons qu'on a ici le promoteur. Donc il y a des exons et des introns. Donc, lors de la transcription, l'ARN polymérase se fixe au niveau de promoteur. Il sait tout simplement, il va faire la transcription. Il va chercher plus 1 et faire la transcription jusqu'à la terminaison de la transcription. Et donc, on aura un ARN messager. Là. Et dans cet ARN messager, on va avoir des exons et on va avoir des introns. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ARN messager prémature. C'est l'ARN messager prémature, là où il y a des introns. Et en fait, les exons, ce sont les séquences codantes. Si vous, ce sont les séquences qui vont être codante pour donner la protéine, alors que les intrus, non. Les introns, pardon. On peut les considérer comme les intrus. Alors, après, qu'est-ce qui se passe? Pour éliminer les introns, c'est le phénomène d'épissage qui va éliminer les introns. Et donc, on va avoir, vous voyez, l'exon 1, celui-là, c'est l'exon 1. Puis après, il y a l'exon 2. Et après, on va éliminer les. Ça, c'est l'intron 3. Donc, on va l'éliminer. On va avoir l'exon 3. Voilà. Et ça, donc, c'est ce qu'on appelle, c'est l'ARN messager mature, qui ne contient que les exons. Et c'est ça qui va donner la protéine. Alors, vous voyez, donc, finalement, la taille de la protéine, elle est petite par rapport à la taille de l'ADN de départ. Également, l'ARN messager mature. Et donc ça, c'est la différence qu'on trouve entre un gène procaryote et un gène eucaryote. Donc c'est par conséquent, quand je veux cloner, par exemple, le gène de l'insuline à partir de l'ADN, donc je le clone dans un plasmide, puis après je transforme la bactérie chez coli, qu'est-ce qui va se passer? Je n'aurai pas l'insuline parce que la bactérie ne reconnaît pas, ne fait pas le phénomène d'épissage. Donc, il va faire la transcription. On aura donc une protéine qui est différente de l'insuline. C'est la raison pour laquelle, pour cloner le gène de l'insuline, qu'est-ce qu'on fait? On extrait les ARN messagers, donc extraction des ARN messagers au niveau des pancréas. On prend les ARN messagers et à partir de l'ARN messager, on va synthétiser l'ADN complémentaire. Et donc, l'ADN complémentaire, à ne pas confondre avec le brin complémentaire. Donc, l'ADN complémentaire, c'est à partir de l'ARN messager, on aura synthèse d'un brin d'ADN complémentaire par
la reverse transcriptase, donc la reverse transcriptase qui va synthétiser le brin complémentaire, et puis après, on va synthétiser le deuxième brin de l'ADN. On va utiliser par exemple le fragment cluno, c'est une ADN polymérase, et on obtient donc le cDNA. Le cDNA, ou bien ce qu'on appelle l'ADN complémentaire à l'ARN messager. C'est ce qu'on appelle l'ADN complémentaire. Et c'est ça, en fait, qu'on va cloner pour l'insuline. Donc, chaque fois qu'on veut cloner un gène eucaryote, on va utiliser le cDNA du gène d'intérêt. L'hormone de croissance, on va prendre le cDNA. Comment avoir le cDNA? Par ce processus de la reverse transcriptase, synthèse de l'ADN complémentaire à l'ARN messager. Donc, nous avons dit que pour isoler les hybrides ADN-ARN, lors de l'hybridation entre un gène et son cDNA correspondant. Pour ouvrir les épingles à cheveux formées lors de la synthèse de cDNA, en fait. Donc là, c'est épingle à cheveux, hein, c'est comme les épingles utilisées pour les cheveux. C'est entre l'ARN messager et le premier brin de l'ADN synthétisé, on aura toujours une forme d'épingle à cheveux. Alors, on peut l'éliminer par S1. Voilà, donc ça, c'est le nucléase. Je donne un exemple. Supposons qu'on a cet ADN-là, avec ici une brèche, n'est-ce pas? Et ici, on a un brin sortant. On fait agir la S1. Donc, il va éliminer tout ce qui est monobrin, de ce côté-là et de ce côté-là. On obtient, donc, voilà, les deux fragments. La ribonucléase A. Alors, la ribonucléase A, c'est l'enzyme de la digestion des ARN chez les animaux. Donc, on trouve aussi l'ARNase A dans les cellules animales. Alors, c'est une ARNase, donc il va dégrader les ARN. Il ne va pas agir sur l'ADN. Alors, il agit comme une endonucléase et préférentiellement après les nucléotides à pyrimidine, COU, puisque c'est au niveau de l'ARN. En hydrolysant, attention, qu'est-ce qu'il va hydrolyser? La liaison entre le phosphate et le C5' du nucléotide suivant. Alors, et lorsqu'il fait ça, ça va générer des oligonucléotides d'ARN avec une extrémité 3' phosphate. Regardez le schéma. Alors, supposons qu'ici, on a un ADN, donc ça continue, je représente un peu de nucléotides ici. On a ici cytosine et ici l'adénine. Alors, ça, c'est l'extrémité 5' phosphate. En général, quand on dit l'extrémité 5', c'est l'extrémité 5' phosphate. Et de ce côté-là, on va avoir l'extrémité. Alors, les enzymes, par exemple, l'enzyme de restriction, lorsqu'il coupe l'ADN, il va couper à ce niveau-là, par exemple. Il va couper à ce niveau-là. Et donc, s'il coupe ici, on va avoir donc l'extrémité 3' OH, n'est-ce pas? Donc, on garde toujours les extrémités intactes. Et de ce côté-là, on va avoir. Alors, par contre, pour la ribonucléase, la ribonucléase A, au niveau de l'ARN, par exemple, ça c'est au niveau de l'ARN, pardon, hein. La ribonucléase va couper entre le phosphate et le carbone 5' du nucléotide suivant. Donc, il coupe à ce niveau-là. Cette coupure fait que, qu'est-ce qu'on obtient ici? C'est une extrémité 3', mais phosphate. Donc, un brin avec une extrémité 3' phosphate. Et l'autre brin d'ARN va être, c'est l'extrémité 5' OH. D'accord? Donc, c'est ce qui a été dit ici. Oligonucléotide avec une extrémité 3' sortante. L'ARNase A pancréatique est une petite enzyme. Elle est thermorésistante et extrêmement active. Il existe des inhibiteurs de l'ARNase, soit des détergents comme le SDS, soit des protéines qu'on extrait du placenta.
Et qui, bien sûr, ce sont des inhibiteurs qui sont utilisés pour protéger les ARN, parce que ce sont des inhibiteurs de l'ARNase. Donc l'ARNase n'est plus active et donc ça protège l'ARN lorsque, par exemple, on veut extraire et préparer les ARN. Voilà, vous voyez donc ici, voilà le schéma. L'ARNase qu'on peut extraire à partir du pancréas de bœuf. Vous avez ici un hybride. Vous voyez, là, c'est l'ADN, un brin d'ADN, et ici, c'est un brin d'ARN, puisqu'on a eu ici. Donc, ça, c'est un brin d'ARN. On va agir l'ARNase A. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper, bien sûr, l'ARN. Donc, il coupe l'ARN entre C et U. Pardon, après C et après U. Voilà. Il ne peut pas couper à ce niveau-là parce que ici l'ARN est protégé par l'ADN. Donc il n'y a pas de coupure. Et donc finalement, on va avoir des fragments d'ARN. Vous voyez ici, des fragments d'ARN avec des extrémités 3' phosphate. Vous voyez, donc c'est 3', mais on trouve phosphate ici, à la phosphate. Et avec des extrémités ici, c'est les 5', hein, 5' OH. L'enzyme terminale transférase. Alors, c'est une enzyme qui catalyse l'addition de désoxynucléotides sur la fonction 3'OH terminale de l'ADN. Donc, quel est le rôle de la terminale transférase? Il va ajouter le nucléotide au niveau de l'extrémité 3' de l'ADN. Voilà, on a ici un exemple. Supposons que vous avez ici donc l'ADN et avec une extrémité ici 3' sortante, c'est 3'OH, d'accord? Alors, on ajoute la terminale transférase et on va ajouter le nucléotide, par exemple le ATP, le DATP qui est radioactif. Ça, c'est le phosphate alpha, bêta, gamma. Donc, c'est le phosphate alpha. Et donc, la terminale transférase, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter le A radioactif, il va l'ajouter au niveau du brin 3', pas à ce niveau-là. Donc, au niveau de ce brin, il va ajouter donc le nucléotide. En éliminant, bien sûr, il va éliminer le 2-phosphate. Et on va avoir donc le nucléotide avec phosphate marqué à ce niveau-là. Vous voyez? Voilà. Et on le tue donc le A. Donc, on a incorporé le A à l'extrémité 3' de l'ADN. L'enzyme préfère les molécules d'ADN dans l'extrémité 3' sortante, mais il existe des conditions qui favorisent la catalyse sur l'ADN à bout franc. Vous voyez, comme celui-là, par exemple, donc il va ajouter le nucléotide à l'extrémité, soit ici, donc l'extrémité 3', voire même sur des extrémités 3' rentrantes. Vous voyez ici, donc. C'est une extrémité 3' entrante ou 5' sortante. Mais donc, il va ajouter, puisqu'on parle de l'extrémité 3', c'est l'extrémité 3' entrante, il va ajouter un nucléotide à ce niveau-là. Il incorpore plus spécifiquement les purines ou les pyrimidines en fonction du cation divalent qu'on lui donne comme cofacteur. C'est une enzyme qui va changer de comportement. Si on ajoute le magnésium, il va incorporer les purines. A ou G. Par contre, si maintenant on utilise un autre tampon qui contient le cobalt, le divalent cobalt, et bien à ce moment, il va incorporer les pyrimidines ou bien encore le manganèse. Donc la transférase terminale de commerce est extraite de thymus du veau. Une unité d'enzyme catalyse le transfert de 17 picomoles de désoxynucléotides par minute à 37 degrés. Et la transférase terminale est utilisée au laboratoire pour construire des séquences polymérisées de nucléotides à l'extrémité 3'. Donc, on va avoir ce qu'on appelle une queue au niveau de l'extrémité 3'OH de l'ADN en vue de clonage des fragments d'ADN. Aussi, pour marquer les extrémités 3', donc pour marquer les extrémités 3' d'un ADN avec un nucléotide marqué sur le phosphate alpha, hein, l'exemple que je donnais tout à l'heure. Aussi, on peut utiliser la transférase terminale pour ajouter un nucléotide
à la fin d'une séquence pour induire une mutation, hein, c'est ce qu'on appelle la mutagénèse dirigée. La phosphatase alcaline, donc on va le voir au niveau de la vidéo prochaine. Merci.